te na ba kongole nyoso bazolanda biso bisika nyoso bazali tolobi mbote moyo kya mbote kenu na ba kongomani nyoso oyo bazolanda biso na diaspora tozolo ba mbote na ba kongole oyo bazalaka toutefois na intérêt ya kolanda biso pour être mieux informé de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo pona koyeba nyoso oyo ezo salema na kati ya mboka na biso pona koyeba makambo oyo ezo leka dans l'est de la République démocratique du Congo tolobi mbote mbote na ba kongole nyoso oyo bazo bundisa pour que bitumba esila dans l'est de la République démocratique du Congo bazali ebele lelo bazali na souci ya komona bitumba esila na kati ya mboka na biso bazali ebele lelo bazo bundisa pour que bitumba esila nakati ya este ya mboka bazali ebele ba kongole oyo baza bazokanisa ke soki tokomi bomoko tokomi bomoko soki lelo tokei kosimba na loboko na loboko et puis totalela musika mboka na biso toko kende liboso bazali ebele ba kongole oyo bazoloba eke soki tomisangisi et puis tolite contre ba antivalère contre corruption contre vol contre biloko nyoso ya mabe na kati ya mboka na biso c'est possible aussi que biso pe ba envie biso parce que tozala vocation ya kozala puissance lokola ba mboka mosusu mais kozala mboka lokola ba pays mosusu te voilà donc mutu oyo azala vocation ya kokoma mutu munene ne doit pas aussi se comporter tel que batu oyo bazala vocation ya kokoma minene minene te raison pour laquelle ba kongolais oyo bazali na ba poste ba kongolais oyo bazali na ba fonction esengeli ba yebe la vision et puis ba travailler pour l'intérêt national ba projet oyo nyoso kozala initié ba projet nyoso oyo ba kobanza mokonzi ya mboka kobanza madame Judith Suminwa kobanza oyo ba kongolais esengeli ba mona résultat parce qu'il sont là que pour le travail ya ba kongomani nyoso ezala na transport, ezala na économie, ezala na pêche, ezala na agriculture, ezala na sport. Il faut que les Congolais bamona ba résultat mutuna mutu na kati ya ministère nae. Sur le plan national, même batu bafanda na Kinsenso, batu oyo bafanda na Luozi, Mwene Ditu, Kade ya Kamwanga, batu oyo bafanda na Tshikapa, ils sont dans les fins fonds. Ya Kasai na Équateur, ils sont dans les fins fonds. Ya Haut-Katanga esengeli lelo ba mona résultat ya mutuna mutuna ministère nae. Ekanga makaka na ville te, mais au travers territoire national na biso et mona na miso ke, il y a des personnes qui ont été engagées, il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent pour le changement en République démocratique du Congo. Pona kobanda manaka na biso ya lelo nazali Yusufu Kibingila David journaliste oyo azalaka toutefois wana kokabela bino basango ya makambo ezoleka na kati ya mboka mais avant de commencer je vais adresser mes sincères condoléances na famille Steve Wembi oyo ezui matanga ya mwana na bango ya yambo akufi oyo azbandaki kobengama na kombo ya Fatou Wembi akufi. Et nous adressons nos sincères condoléances na confrères Nabiso et puis na famille Nyoso Mobimba. On revient sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut noter ce vendredi 21 juin 2024? Quelle est la situation actuelle sur les lignes de front? Tous à la Kawana toutefois pour vous donner l'actualité, pour vous donner l'information. Ozana Mweneditu. Ozana Tikapa, Ozana Kasai, Ozana Poto, Ozana Belgique, Ozana Angleterre. Et Sengeli Oyeba, situation actuelle ya mboka na yo ezali nini. Situation actuelle ya mboka na yo ezali nini. Les affrontements se condensent, les affrontements se concentrent. De rides affrontements sont signalés depuis le début de cette semaine. Aujourd'hui, vendredi. Depuis le lundi, il y a de rudes affrontements qui ont été signalés dans les territoires de Rutshuru. Le long vendredi, tozo kendeko suki sa semaine oyo. Qu'est-ce qu'il faudra noter sur les affrontements qui ont été déclarés tout le long de cette semaine? Wapi ba FARDC bazwaki. Na lelo, sango eza nini. Mukolo mwa lelo, quelle est cette information? Toko bete la tolo koloba.
Est-ce que le FRDC ont assimé le long de cette semaine? Nous sommes là pour vous donner la vraie version de l'information sur les lignes de front. Deux villages dans le territoire de Rutshuru et Masisi, récupérés par l'armée et Wazalendo. Plusieurs sources dans les coins affirment que les rebelles du M23 ont pris fuite dans plusieurs villages avant même que les FRDC et les Wazalendo y arrivent. Cela suite à une détermination démontrée par le FRDC soutenu par les Wazalendo à vouloir récupérer toutes les localités qui étaient sous la main impuissante des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, l'Ouganda et leurs alliés. Plusieurs villages, j'ai dit bien plusieurs villages, lelo et si elle est qui na kati ya maboko ya ba FRDC. Plusieurs villages, lelo et si elle est qui na kati ya maboko ya ba Wazalendo. Plusieurs collines, oezala qui na kati ya maboko ya ba M23, lelo eza déjà na maboko ya ba FRDC. Détermination oyo basala qui. Détermination oyo batia qui. Lelo ezomonisa ba fruit nango. Lelo ezomonisa combien plus forte raison il a fallu le donner notre confiance oyo ba kongomani ba civil, oyo ba kongomani bozona diaspora, oyo ba kongomani vous êtes partout dans les pays bopesa ki bango. La confiance dont vous les avez donné aujourd'hui, ça commence à produire les fruits. La confiance que vous les avez offert et bandi kopesa ba fruit na yango lelo. Dans certains villages dans le territoire de Masisi, où la population ne devrait plus piétiner, où la population était incapable d'y arriver suite à des massacres perpétrés par les rebelles du M23, suite à des massacres qui étaient causés par la coalition M23-AFC-RDF, aujourd'hui se vit la joie où ces peuples congolais, ces habitants commencent à franchir leur champ. Ba moko moko ba bandi ko kende na bilanga, ko kende koluna ba pondu, ba songo, ba nini, ba biloko na bango. Lelo ba bandi ko kende na bilanga na bango. Une chose qu'ils ne devraient pas faire. Parce que toutefois, bazalaki ko kende na bilanga, bazalaki ko kuta na ba M23, bango pe bazo iba na kati ya bilanga na bango. Oyo bazalaki basi baluni. Mais aujourd'hui, d'après nos sources ici, na kati ya ba village, na kati ya ba région, nakati ya ba localité, nakati ya ba groupement, nakati ya ba secteur, et yebisi biso ekelelo, ba villageois ebele, ba kongomani ebele, les habitants ba village, ba bandi ko vake na ba occupation na bango ya ba bilanga, ba bandi ko sala ba activité champêtre na bango. Bien que ezali nanu, hein, et komi nanu, ndenge ezala kite, donc c'est pas encore établi comme c'était à l'ancien temps, mais aujourd'hui, cette activité, bien que c'est encore timide, ce mouvement-là, bien que c'est encore timide, mais ça commence à se rétablir petit à petit, là où les FRDC et les Wazalendo ont déjà à récupérer. Nous sommes avec notre armée phare de C, à Kabizo, à Butare. Je parlais avec une source ce matin à Kagando. Il m'a dit que les FRDC sont là depuis hier à 11h20. Ils ont pris même le village de Kirumba à Bambo, confié un habitant de Kabizo depuis hier, jeudi. Les rides d'affrontements qui ont été signalés dans les territoires de Rutshuru, voici les résultats de leurs fruits. Il y a eu Kabizo qui a été récupéré, Kirumba Abambo qui a été récupéré et plusieurs autres villages. Bazo Salaboui, l'état que le FRDC avance, bazu village wana. FRDC zu village, batikali wana ba avance, population tikali wana. Pour se rassurer que Munguna zozonga wana lisusute. Ba oyo bazo loba, mais Bunagana toujours pas récupéré, Bunagana bakuzwa yango. Vous savez, Bunagan eza moko ya ba cité eza tellement stratégique, oyo kozwa yango esengeli ba stratégie ebele.
Kozwa bunagana n'est pas aussi simple comme vous le pensez. Kozwa bunagana n'est pas aussi moindre comme vous le prétendez. Parce que eza cité moko eza peuple. Eza cité moko eza na activité ebele. Et sengeli ba sala toutefois ba mécanisme ba technique ba étudier le plan de la récupération ya bunagana. Mais concernant d'autres villages oza pene pene bazo récupérer yango. Même sur le plan médiatique, aujourd'hui, vous allez écouter qu'il n'y a plus la puissance du Rwanda. Il n'y a plus la puissance de l'ennemi. Avec tous ces comptes-là sur X, Twitter, partout un peu, Oyebozalaki Koyoka, aujourd'hui, il y a timidité, il ne s'exprime plus. Bazo mi exprimer les sous-sous-t. L'entrée des jeunes résistants Wazalendo sur la colline de Rukara. Oyo bozo observé l'entrée à ba jeune résistant Wazalendo technique tiranga vidéo wana oyo ba jeune résistant Wazalendo basali entrée na bango to mona boni basali entrée ya ngomba oyo ngomba bazo tambolela wana eza ngomba oyo ba rebelle M23 bazalaki ba déloger bango ainsi ba jeune résistant ba bandi ko bimela na ba coin coin basi bazui déjà ngomba wana bazo tambolela ngo tiranga vidéo. Tiranga vidéo wana oyo bazalendo bazo tambola sir ngomba oyo bazwaki. Ça, merci. Apa tuko mulima ya Rukara, tuko tunapanda Rukara. Pamoja na General Mika. Apa tunapanda Rukara kabisa, tuko tunapiga adui tuko mu operation. Merci moi General Mika, félicitations na kazi. Pole na safari pasi na kazi. Antuka majeshi, msichoke kupanda milima. Awa jinga tutawaondoa. Kuna problemi tutawaondoa, kuna shaka. Nenge bomoni, boni esalemi, ba jeune résistant di Wazalendo, oyo lelo ba zui. Ngomba wana. Ngomba oyo bazui eza moko ya bangomba oyo eza tellement stratégique dans le territoire de Rutshuru. Moko ya bangomba oyo ezali tellement stratégique oyo ba rebelle bazalaki basi ba installer ba artillerie na bango oyo lourde na kati ya ngomba wana. Bazaki basi ba installer manduki na bango na kati ya ngomba wana. Mais grâce aux affrontements oyo salemaki entre les rebelles du M23, le FRDC qui sont soutenus par le jeune résistant Wazalendo, aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a une montée en puissance, d'après aussi la population dans la région, qui affirme aujourd'hui qu'il y a une montée en puissance des FRDC, le fait que même ba colline, même ba montagne, oyo ba rebelle, bazalaki basi ba zui, basi ba fandeli, lelo ezo leka na maboko ya bande konabiso ba FRDC, na ba jeune résistant à Wazalendo. Journée internationale à ba réfugiés dans la ville de Goma. Plusieurs réfugiés rwandais refusent de rentrer chez eux car c'est l'eau et il n'y a pas la paix au Rwanda. Donc, Zaki journée Oyo lobby et Zaki journée internationale à ba réfugiés. Lobby et Zaki célébré. Nini Sikoyo et Sengeli Toye ba réfugiés Oyo Bazana Katia Goma Awa. Quelle est leur déclaration? Nini oyo baboyi kozonga na Rwanda? Parce que normalement, ils sont bazonga na Rwanda. Mais aujourd'hui, bangopi baboyi kozonga na Rwanda. Qu'est-ce qu'ils déclarent? Journée internationale de réfugiés dans la ville de Goma. Plusieurs réfugiés rwandais refusent de rentrer chez eux. Car c'est l'eau. Et il n'y a pas la paix au Rwanda. Ce que l'on dit à la télévision est très loin de la vérité. Il n'y a pas la paix au Rwanda. Voilà pourquoi il y a plusieurs réfugiés dans différents pays. Moi, je ne me sens plus bien en RDC que dans mon pays, le Rwanda. J'ai dû merci au gouvernement congolais qui nous a accueillis et surtout aux Congolais qui vivent avec nous, a déclaré cette femme réfugiée rwandaise dont nous taisons les noms pour des raisons sécuritaires. Selon les HCR, la ville de Goma compte 3000 réfugiés. Nombreux sont Rwandais et Burundais. Baboyi lelo kozonga bisika na bango. Ba Rwandais belé
ba Rwandaise ebele ba boyi kozonga bisika na bango balobi il y a une réalité qui est loin de ce qui se disent na télévision, de ce qui se disent na ba radio. C'est le ACR, le loba réfugié rwandais, Oyo Bazali et Belé sur le sol congolais, Awana Goma, to compté plus de 3000 personnes. Oyo Baboyi, Baboyi sur le sol congolais, et qui va revenir, Balobi na bango et qui, Likambouana te, Bakondima, jamais, Kozonga na Rwanda, parce que au Rwanda, il n'y a pas la paix, au Rwanda, c'est la mort, ce so qui Bazongi, Bakoyoka, Bakoufi na bango. Il n'y a rien qui va les intéresser et qui peut les motiver de rentrer au Rwanda. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est même par là on va finir, dans messieurs, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne dans le terme le plus ferme la récente série d'attaques perpétrées par les mouvements du 23 mars M23 qui ont fait des victimes civiles et blessés un casque bleu de la MONUSCO. Ya batu oyo ba kufaki, batu oyo ba bungisaki vina bango, batu oyo lelo bazali susute na mokili ya batu, parce que les M23 ont décidé cela. Nations Unies ezo kondane, Nations Unies ezo matisa mungongo, likolo ya likambowana. Mais qu'est-ce que les Congolais attendent des Nations Unies? Nini lelo ba Congolais bazo zela na communauté internationale? Nini lelo ba Congolais bazo zela na Union européenne? Nini lelo ba Congolais bazo zela na Union africaine? Qu'est-ce que les Congolais attendent aujourd'hui concrètement du gouvernement congolais, même Yango Moko? Nations Unies sont condamnées. C'est aussi une question dont plusieurs Congolais se demandent. Plusieurs analystes bazo mi poser lelo. Est-ce qu'aujourd'hui, Nations Unies en a mako quitté? Nations Unies ont la capacité, yakosala tout pour tout pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Tous observés, bazana ba troupes na bango, MONUSCO est sur le sol congolais depuis plus de 25 ans. Plus de 25 ans, bazawana pour mission rétablir la paix en RDC. Mais nanu jusqu'à aujourd'hui, paix zongité. Kimia est zongité. Nations Unies continuent à condamner. Nations Unies continuent ko matisa mungongo likolo biloko wana. Mais est-ce que eza ba je wana to continuer ko observer? Est-ce que bakoti kana ngonga moko ba je wana pour nous concentrer rien que sur la réalité des choses? Est-ce que lelo bakoti ka biloko bazo sala et que tomi concentrer biso moko? Parce que nous ne pensons pas que la MONUSCO qui a eu plus de 20 ans sur le sol congolais aujourd'hui toi espérer réponse, ce n'est pas na bango. C'est de l'objet Nations Unies et Koloba. Mais quelles sont les actions aujourd'hui Nations Unies ils ont tia, ils ont imposé le Rwanda. Nous n'avons pas encore observé ça. Au-delà de ça, nous n'allons pas aussi observer que MONUSCO est Tikala et puis ils ne font rien sur le sol congolais et que les Congolais se taisent en attendant une suite favorable. Et que ça les maté. Raison pour laquelle il est important aujourd'hui que les Congolais tomi assimé. Tous ont la responsabilité na biso na maboko. Kati na biso, biso na biso, toye kola koye ba eke, lelo, eza ya motu ya. Eza nango na importance nango. Ba Kongole lelo, toye ba ke, likambo, oyo lizu sa le mana est, eza likambo ya ba Kongole nyoso. Eza likambo oyo sengi, ba Kongole baza la bomoko, pour décanter ce problème. Eza likambo oyo esengi ba Kongole bazala na vision moko. Eza likambo oyo esengi ba Kongole nyoso ba baza na direction moko. Hypocrisie à côté, les intérêts personnels à côté, traîtrise à côté, biloko nyoso à côté, et pour que tout mona boni tokusala likambo yango et que mboka na biso échangé, mboka na biso ezala développé. Service national et continuer musala na ngolo bizala ki inauguration ya biloko ebele na kati ya mboka Lubumbashi wala toza na Haut-Katanga ba train ba wago ezala ki mise en disposition pour que population ebanda ko tambola facilement ba transport ya biloko ebanda ko kende facilement ebanda ko sala ba circulation ndenge botala ki
eloko esalemaki mokonzi ya mboka ye moko azalaki kuna pour inauguration ya biloko nyonso wana eke tozodeklare lelo biloko wana esalema partout dans les 26 provinces ya RDC ezala kaka kuna te esalema na Nord Kivu esalema na Sud Kivu erelie Kisangani erelie Chopo erelie Kindu esalema partout en RDC pour que bakongomani bamona boni ba facilitation ya biloko ekosalema bokolu na biloko. Je prends exemple eloko ya Chopo kokoma na Nord Kivu eza tout un problème, eloko ya Ituri kokoma na Goma tout un problème, mais soki ba balabala ezali, soki banzela ezali, wana ba défi ya ministre ya transport, soki biloko nyonso wana tutiango wa marche lelo eke tolobi eke esengeli tosala musala bien ekosalema et puis tozala avantage parce que c'est notre pays oyo ekokende liboso. Pour finir toko sukela koloba awa après instruction ya ministre ya justice koloba esengeli ba landela batu oyo basalaka ba pratique ya homosexualité lobi sikoyo. Procureur général près la cour de cassation a instruit na ba procureur généraux nyonso au travers la République démocratique du Congo, donc sur l'étendue du territoire national, que instruction wana esalema babanda ko landela batu oyo bazo sala ba pratique wana parce que eza immoralité eza eloko oyo eye ko bousiller eye ko détruire oyo culture congolaise eza eloko oyo eye ko détruire culture africaine eza ba antivaleur oyo lelo tokomi bete la toloté eza biloko abandele qu'on ne devrait pas un comportement d'ailleurs qu'on ne doit pas amener jusqu'à notre pays tozana ba défi ebele ya kosala et que on doit lutter de cela ba mbutia joana ya ba musique butu ko embrier les autres pendant qu'ils dorment na ba processus nyonso bazotalela boni kosala pour arrêter ce genre de manœuvre. Voilà donc cette grande information qui était à notre possession au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'était les nouvelles qu'on possédait pour vous livrer, le téléspectateur fidèle de Congo Live Télévision. Nous vous disons merci de votre fidélité. J'étais Youssoufou Kibingila à David, journaliste d'investigation. Je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre. Nous restons disponibles au plus 243 9 93 46 71 93. Merci, dames, messieurs. Excellente journée à vous. Bon début de week-end aujourd'hui, nous vous souhaitons. Et à demain pour d'autres actualités.